Salut tout le monde, donc là aujourd'hui je suis à la carpe, je pêche depuis mon bateau, c'est un poste que je connais depuis longtemps mais je fais que passer dessus, je me suis jamais vraiment attardé et donc du coup je suis venu ce matin là de bonne heure, j'ai mis deux cannes, je pêche à deux cannes là avec de la graine au maïs, basique, enfin du maïs sans additifs, sans rien, parce que je cherche pas la complication, je commence tout juste la carpe, là je la pêche que depuis cette année, donc mes montages et mon amorçage est très simple. Je cherche pas à me compliquer la vie, je vais au plus simple. Donc là j'ai une canne en bordure sur une pointe de sable, ça fait un haut fond là, enfin déjà qu'il n'y a pas beaucoup d'eau sur le poste en général, mais là où il y a le bateau il y a 50 cm en fait, ça fait comme un banc de sable. Et le banc de sable il finit en pointe et j'ai ma canne de droite qui est limite sur la pointe du sable tombant de bordure. Et puis l'autre qui est un peu plus à gauche du banc de sable, un peu plus dans le courant. Donc je pêche à la graine, j'ai jeté quelques grains de maïs ce matin en arrivant. J'ai fait quelques rappels à la fronde, mais très très faible, pas de gros amorçage, rien du tout. Donc j'espère que ça va donner. Voilà, je croise les doigts et j'espère vous reprendre pour une bonne nouvelle. Allez, à tout à l'heure. J'ai de la chance, elle a pas pris le courant celle-là. Je craignais un peu qu'elle prenne le courant à travers et là pour le coup elle est en train de longer la bordure où il y a un petit peu d'eau mais il n'y a pas du tout de courant donc ça m'aide. Je pense pas que ce soit un gros poisson mais c'est un poisson quand même. Si je peux l'avoir ça serait top. Je serais vraiment content. C'est une commune, j'ai bien vu. Je crois qu'elle voit le. Je vois qu'elle est pas loin du bateau là, il ne plaît pas. Ah, je sais pas si c'est une commune. Ah non, c'est une. Si, c'est une commune, une belle petite commune. Yes, impeccable. Premier poisson. Ça c'est cool. Ça c'est cool. Une belle commune de Loire. Bien large, elle est épaisse, bien large. Je sais pas si vous voyez là. Un beau poisson. Ça me fait bien plaisir ça. Oh là.
Reste avec moi, c'est bientôt fini. J'ai pris à 9h ce matin, il me semble. C'est ça que je vous ai dit, ouais, 9h. Ou quelque chose comme ça, je sais plus. Un beau poisson. Je suis trop content. C'est cool. C'est ce que j'étais venu chercher, une belle carpe. Pas forcément un gros poisson, pas forcément un record. Mais une carpe. Et je l'ai, je suis trop content. C'est cool. Allez, je vais la remettre dans l'eau. On va la relâcher tout doucement. Ça y est, là je terminais. Donc je fais qu'un poisson. Donc, je vous dis, il fait 10,5 kg. Une belle commune de Loire. Normalement, j'ai le départ en direct et j'ai un peu le combat avec la GoPro sur moi. Donc c'est cool. J'espère que ça a fait des belles images. Donc voilà, je suis vraiment content. Je vais pouvoir rentrer tranquillement et sereinement. Objectif atteint. Comme je vous dis, moi, la carpe, voilà, c'est que depuis cette année, je pêche le carnassier normalement en temps normal. En pêchant la carpe proprement dit, c'est mes premières pêches seules. D'habitude, je les pêche avec Hugo. Et là, ma première pêche seule, pas deuxième, parce que j'en ai fait une lundi où je décroche deux poissons. Je fais deux départs, deux décroches. Donc, je sais pas ce qu'il y a eu. J'ai changé mon bas de ligne. Là, j'ai pas décroché celle-là. Donc, peut-être que mon hameçon piquait moins lundi, je sais pas. Toujours est-il que je vais vous les montrer, les deux décroches que je fais. Je les ai filmées. Ah, peut-être 10 minutes de pêche, premier poisson. Ça c'est cool, sauf que j'ai pas eu le temps de déplier les puisettes. Ça c'est vraiment moins cool. Ah non! Ah, c'est pas vrai! De ma part, je fais comme je peux. On touche en direct. Et décrocher encore, mais c'est pas possible! Enfin voilà, toujours est-il que là je fais un poisson, une touche. Une touche, un poisson plutôt, c'est mieux dans ce sens-là. Et voilà, donc je suis content. Je suis content. J'étais un peu resté sur ma faim par rapport à lundi. Mais voilà, là je reviens et. C'est moi qui ai eu le dernier mot pour un beau poisson, pas énorme mais correct. Pour moi c'est très bien, je suis content. Je vais commencer à plier un peu tout le matériel et puis je vais pouvoir rentrer sereinement. Voilà, allez à bientôt.